Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Rocket, je suis Xien, je suis complètement dans le noir sur The Long Dark, nouvel épisode, bienvenue à vous, je me retrouve complètement fatigué dans une grotte, pas n'importe quelle grotte, puisque il va falloir que je fasse extrêmement attention là où je vais me diriger. L'objectif, ce n'est bien sûr de pas aller s'enfoncer plus que cela dans cette grotte, je vais juste aller voir un petit peu au pied, et puis après on va tâcher d'aller faire un petit dodo. Parce que c'est vrai que on aurait eu à se remettre de nos émotions. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que parfois vous pouvez aussi tomber nez à nez avec des petites surprises, genre ours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ouais, on va tâcher de se mettre dans un coin et de pas se laisser surprendre par ce personnage. Et puis d'autant plus, ça serait un coup en fait à finalement à perdre son chemin. Donc en tout cas, bienvenue à vous, ravi de vous retrouver sur cette aventure. Donc notre objectif est, il est toujours le même par rapport à la vidéo d'avant, c'est-à-dire trouver le chemin vers la montagne Timberwolf. Alors ne vous inquiétez pas, nous ne sommes vraiment pas loin. Le seul truc, c'est que je vais devoir me reposer. Voilà, tout simplement, j'ai voulu me précipiter pour aller un petit peu plus vite tout à l'heure, enfin en tout cas dans la vidéo d'avant. Et là, c'est vrai que on se retrouve dans une situation un petit peu plus compliquée. Alors, je dis un petit peu plus compliquée, c'est pas dramatique non plus, dans le sens où on a à boire, on a à manger, on a un tout petit peu de lumière, comme ça je vais pouvoir me repérer. Donc c'est parti, on va se remettre bien. En plus, ça tombe très bien parce que on était sur le point de vraiment choper des engelures. Et ça m'aurait vraiment embêté. Donc on va manger ces petits trucs là. Regardez, on a encore du bœuf séché, on a des tomates que je vais manger tout de suite. Alors ça n'apporte que 300 parce que c'est froid, mais c'est pas grave, ça sera déjà amplement suffisant. On va pouvoir se faire un petit dodo. Ah, j'ai pas eu le temps de... Ouais, c'est vrai, j'étais en train d'ouvrir la boîte. J'ai pas pris le temps de tout manger. Le reste, il fait déjà nuit, donc là on est parti pour 6 heures de sommeil. Donc quand on va se réveiller, eh bien en fait, fini l'hypothermie, il y a de fortes chances. J'ai pas regardé d'ailleurs si la température était plus sympa à notre égard. Pensez toujours à dormir par tranche de 5 à 6 heures, ça vous permet d'éviter d'être complètement mort de soif. Ok, et là on va être reparti, je vais regarder le... Ouais, on va être reparti pour 6 heures. Là il va me falloir énormément d'énergie pour pouvoir grimper cette corde, parce que ça, je peux vous garantir que ça vous coupe les pattes. Hein. Voilà, là on est quasiment full. Il fait un tout petit peu jour. On va reboire. On redort une heure. Non, c'est bon. Allez, on le ramasse. Et puis les amis, c'est reparti. On va voir comment est le temps dehors. Ouais, donc il fait très froid. Il fait très froid, j'ai bien envie de buter quelques lapins. J'aurais pu faire un feu. Ouais, non, il fait trop froid. Je vais me risquer à des soucis, donc on va prendre un caillou. Oh putain, je confonds toujours de boutons, mais c'est pas vrai. Bon, ils vont se calmer assez vite. Je pense que j'ai bien fait là. Et avant de chercher compliqué, je vais déjà chercher la bouffe simple. Ouais, je l'ai loupé, pas grand chose. Ça c'est pour me rassurer, la tire complètement moisie. Putain, mais des fringues je veux à manger là. Ah, il fait beaucoup trop froid. Avouez que ça fait pas rêver là. Ok, donc là on était juste à côté, je ne peux pas passer. Et on va se remettre au chaud. Et puis on va refaire un tout petit dodo. Allez hop,
Au moins, ce qui est cool, c'est que j'en aurai terminé avec avec cette fatigue. Il fera peut-être pas meilleur, mais il fera plus beau. Et la tempête, je pense, sera un peu plus sur la fin. Ouais, par contre, il caille toujours des masses. Le temps est vraiment pas favorable. Je peux pas sortir d'un temps pareil. C'est la tempête. Non, je peux pas sortir d'un temps pareil. Parce que ça, c'est un coup à choper des enjures, mais direct, les mecs. Donc pendant ce temps-là, eh ben, je vais pas perdre mon temps. Je vais aller farfouiller vite fait un petit peu dans cette grotte. C'est pas grave. Il faut s'occuper différemment. On va pas faire que lire. C'est pas du tout l'intérêt de ce let's play. Mais malheureusement, je me retrouve bloqué. Et au moins, là, je suis au chaud. Je remonte ma jauge de température. Puis tout droit. Je sais pas si je peux y trouver des choses intéressantes. Ça fera au retour gauche, gauche, tout droit. Je le fais à l'envers. À mon avis, je vais pas tarder à revenir sur mes pas. Oh, super! Super, super. Oh, yes! Ah, ça c'est cool. Le pansement, je pense que ça devrait aller. Ça je vais prendre, ça je vais prendre. Du coup, ce qui aurait été... Oh bah voilà. Il suffisait de demander, les amis. Donc du coup, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit feu, vite fait. Je vais regarder au niveau du temps, ça devrait aller. Alors, si je me fais un petit feu... Si je me fais un feu en même temps, j'ai pas grand chose d'intéressant. Et une chose est sûre, je suis à 37 kilos. Ouais, ça va pas le faire, je vais devoir me séparer de trucs. Hein. Allez, on va faire comme ça et puis on va remonter. Vous, ce que vous voulez voir, c'est l'aventure. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, j'ai pas envie de m'endormir dans ce genre d'endroit. Donc on va faire une heure de jeu de cartes. Et puis ensuite, on va remettre le nez dehors. Je veux atteindre le Timberwolf avec une certaine cabane dans cet épisode. Parce que je veux pas faire une série avec 12 000 vidéos. Voilà. Je suis sorti de la grotte. C'est pas ce que je voulais. Hein. Je suis en train de faire des conneries là. Hop, hop. Alors on va entendre. Non. La tempête s'est toujours pas calmée. Ça c'est le côté casse-pied. Je pense que la tempête tape toujours extrêmement fort dehors. Donc on va ramasser, on va manger et puis on va y aller. On va se donner un petit défi. C'est parti les amis, faut arrêter de déconner. Je vais pas vous envoyer un petit épisode de tapette. Peut-être que je vais changer d'avis. Allez, on y va. Parce que mine de rien, c'est vrai que le temps passe. Le temps est dégueulasse hein, par contre. Hein. J'aurais pas eu de bol et je risque de le payer très très fort. Ouais, je vais le payer fort, je pense. Là, il faut bien que je repère. Cette descente d'arbre là. Donc moi, de toute façon, je vais dans cette direction. Je n'ai plus qu'à longer en fait la falaise qui se trouve juste ici. Vous le voyez, l'énergie va descendre très vite, tout autant que ma jauge de température. Maintenant, bon voilà, il faut y aller à un moment donné. Bien sûr que si j'avais été en sandbox et que j'avais eu à préserver ma santé, je ne serais jamais sorti d'un temps pareil. Mais là, c'est vraiment pour un petit peu le challenge. Il faut quand même sortir les doigts du fion, se mettre en danger.
Et c'est exactement ce que je vais faire. Alors, peut-être vais-je le regretter. Mais allez, on met en avant notre sens de l'orientation. Et puis, avec un peu de bol, je devrais retomber nez à nez bientôt avec les baraques, ou pas. Parce que là, je vous avoue que maintenant, c'est trop de mémoire. Hein. Voilà, elle est juste là. De toute façon, j'avais juste à contourner. Ouais, il fait déjà hyper froid. Alors parfois, vous pouvez avoir le bunker aussi qui se trouve juste derrière. C'est vrai que je suis pas allé faire un tour, mais c'était assez chaud pour moi, donc je peux pas non plus prendre le risque de me foutre dehors. Risque d'hypothermie. Ouais, et puis vu la température dehors, c'est tendu quoi. Je vais quand même jeter un œil si j'ai pas le bunker. Oh yes! Oh là là, j'ai fait tout un détour les amis, alors que j'avais le bunker juste ici. Mais ça, je pouvais pas savoir non plus. Bon bah c'est top. Et là, je peux vous garantir que on va se mettre bien. Donc on va attendre que la tempête passe, il n'y a aucun problème. Une scie à métaux, on a déjà une. Normalement, je devrais avoir de quoi bah voilà, me ravitailler. Ah, c'est top. Bah voilà. Et je vais pas changer d'avis, hein, les amis. Pas parce que... Oh là là, ça c'est cool. C'est pas parce qu'on vient de se remettre dans une cachette qu'on va arrêter. Hein. On attendra ce Timberwolf Mountain. Oh là 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 là, 4 kilos, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Non. Ça c'est pas nécessaire. Par cas, je me tâte. Un peu de flotte serait pas de refus. Oh, génial! Ouais, top! Du coup, ça on va acheter. Ah, j'ai mes fringues trempées. Donc on va se mettre au chaud. Alors le grand handicap ici, c'est que je peux rien faire. Je peux rien faire chauffer. Mais là, c'est naze cette tempête là. Elle nous casse les pieds depuis tout à l'heure. Ça, j'en veux pas. Et ça, non merci. Bon voilà, on a fait le tour. Donc du coup, je vais pouvoir me mettre au pieu gentiment. Allez, hop. Voilà. Ah non, j'allais dire, voilà, la tempête s'est arrêtée, mais non. On aura une journée tempétueuse. C'est quand même dingue, ça. Et je vais pas être tranquille, et ça va pas s'arrêter de souffler, quoi. Voilà. Là, ça s'est calmé. Là, ça s'est calmé, donc du coup, on va se mettre bien, on va prendre... Un petit beurre de cacahuète, c'est 900. Donc je peux vous garantir que le beurre de cacahuète, ça vous met bien. Vous prenez un petit coup de pompe au cul. Et allez, on est fait comme un sous-neuf, les amis. Oh non, en fait, c'est encore pire. Allez, on y va. J'ai pas de temps à perdre. Oh, vous pouvez... Vous êtes en surcharge, c'est ça que j'avais vu tout à l'heure. C'est quand même la blague. Hein. Je me suis précipité dans la vidéo d'avant et je me suis dit c'est parce que je venais de prendre mon truc. Pas du tout, je suis en surcharge de 5 kilos. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix et on va se séparer des fringues déjà qui me servent à rien parce que c'est parfois c'est ce qui pèse le plus. La nourriture, c'est hors de question. Ça, on va jeter. Ça, on va jeter. Ça, c'est pareil. Le nécessaire à couture, on va jeter. Ça, j'en ai pas besoin. La torche, on va jeter. Il va falloir que je fasse des choix. Là.
va ravitailler. Bah écoutez, voilà, au moins on sera forcé de le faire. Ça, ça m'embête aussi de jeter ça. Ça, de toute façon, pour le poids que ça pèse. Allez. Non, parce que sinon, on va y être encore dans 15 ans. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, la jauge de santé, elle est... Elle descend très très vite. Hein. Malheureusement, je vais me retrouver en haut. Je vais me retrouver dans une situation assez complexe parce que je serai dans un full blizzard. Mais bon, on a suffisamment d'énergie. On a dû se séparer quand même de pas mal de choses. Surtout qu'on y va, encore une fois, je vous le répète, hein, pour aller chercher un fusil. Et enfin, ce pistolet de détresse, lui, il va aussi prendre de la place dans nos bagages. Bah là, on est remonté. Hein. On est remonté comme des piles, les mecs. On a de l'énergie, la température, ça va encore. On a bu, on a mangé. Et nous sommes en direction du Timberwolf Mountain. Vous voyez, déjà rien que pour y accéder, il faut se préparer. Parce que c'est pas simplement que marcher un tout petit peu. Hein. Il faut escalader. Et quand vous n'êtes pas prêt, bah, vous arrivez au pied de cette falaise. Et puis vous faites les mêmes erreurs que moi. C'est-à-dire tout à l'heure, je me suis précipité, j'ai pris un cacheton. Mais il était temps que je le prenne. Hein, parce que sinon, j'aurais pas réussi. Voilà. Au moins. On est arrivé dans cette zone, le Mont Timberwolf, nouvelle région. Alors, la très mauvaise nouvelle, c'est que j'arrive dans une zone où le temps est pourri comme du fumier. La bonne nouvelle, c'est que la cabane que je vise, elle est pas très loin. Maintenant, il va pas falloir déconner parce que et le temps est dégueulasse et la fin de journée approche. Et puis on pourrait le payer très cher. Maintenant, j'ai pas trop de doutes sur le fait que d'ici à très peu de temps, la tempête se calme. Parce que c'est vrai que c'est quand même rare d'avoir des journées vraiment dégueulasses. Mais tout au long de la journée, on a eu que ça. On s'est couché, il faisait pourri. On s'est réveillé, il faisait pourri. On a dormi plein de fois, il faisait pourri. Mais j'aime bien entretenir le doute là, de se dire « Aïe, il va perdre !» Il va falloir quand même que je me refasse un peu de nourriture autre que ce que j'ai déjà dans ma besace. Donc je me ferai bien un loup, je me ferai bien un feu pour me refaire de la boisson. Parce que mine de rien, j'ai quasiment bu mes 2 litres et demi. Donc nous on va se diriger vers la droite. Et ici c'est le cimetière aux avions. Il fait pourri comme du fumier quoi. Là ça va aller super vite. Hein. Le problème c'est que je me souviens plus trop où est-ce qu'il faut aller. Hein. Je vais passer par là, je vais aller à gauche et je pense que je serai plus très loin des mémoires. Puis allez vous diriger par un temps pareil les amis, mais c'est pas possible. Aïe aïe aïe, quel temps de merde. Et puis je crois bien que je suis perdu. Ouais, je crois que je suis perdu, les amis. J'ai pas pris le chemin que j'avais en tête. Et ça, malheureusement, c'est ce qui devait se passer. Et vous l'avez vu, en plus, là, il n'y a pas de grotte. Hein. Il n'y a pas du tout de grotte.
Ah, j'ai moins de repères dans cette zone. Et là, si je trouve pas d'endroit où dormir... Ça sera un game over. Bon, il faudrait que le temps soit un peu plus clément à mon égard. Je me suis complètement paumé. Aïe 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 aïe. Ça c'est la tristesse. Hein. Faut vraiment que j'arrive à choper un endroit où dormir. Ensuite, je pourrais faire le point, ça ira mieux, mais là, bon... je suis pas au meilleur de ma forme. Bon! J'ai chopé ce petit cours d'eau, le lac de cristal, ça veut dire que c'est plutôt rassurant, parce que je devrais tomber, normalement, peut-être sur... sur ma cabane. Voilà! Ouf! J'ai réussi à rattraper... je crois, ma mauvaise direction. Voilà, les amis! Bon! Eh ben, on dormira pas au froid ce soir, même s'il fait pas très très chaud dans cette cabane. Et on assurera un tout petit peu plus de temps. Alors là, vous le voyez, c'est pas tip top en température. Bon, eh ben voilà! On a du beurre de cacahuète. On est à combien là? En température ressentie, on est à moins 6. Ça veut dire que ça va continuer de grimper. J'ai une cordelette qui va m'être extrêmement utile pour la suite des opérations. Et là, maintenant, on va se faire plaisir et on finira l'aventure là-dessus. Alors, je vais aussi farfouiller là-dedans. Mais je referai du feu. Il n'y a pas de problème. Je referai du feu. Allez, hop. Là, c'est juste pour me réchauffer, surtout, et me refaire de l'eau. Ça, c'est un passage obligé. Donc là, maintenant, pour le prochain épisode, je vais avoir beaucoup de chemin. Je pense que ça sera la dernière vidéo avant la récupération du pistolet. Et puis ensuite, on fera demi-tour et on rushera, je pense, en 3 épisodes à nouveau. Aïe, 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 aïe. On rushera vers l'endroit final. Donc on a encore du temps à passer ensemble. Hein. Parce qu'on aura, ouais, une dizaine d'épisodes. Mais ça aurait été top. Allez, allez, il faut que ça prenne. Hein. J'en ai absolument besoin. Si j'arrive à faire ce feu, à l'entretenir, à me refaire de l'eau... Je vais bien repartir. Voilà, boum. Bon, bois de récupération. On va acheter ça. On va cuire les tisanes, ça va nous faire du bien. Et regardez, là au niveau de la température, ça sera top. Ça c'est bête, mais je peux vous garantir que ça accélère beaucoup de choses. Donc je vais en refaire une. Ah d'accord, j'ai plus assez de flotte. Boum, 3 litres et demi. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais un peu farfouiller dans le coin assez rapidement, donc je vais me laisser un peu plus d'eau. J'aurai de quoi faire. J'ai encore de quoi faire une petite tisane pour terminer. Bon, c'est top. Franchement, les amis, on peut se mettre un petit pouce en l'air après tout ça. Hein. Ok, bah c'est nickel. Bon, là, par contre, je suis passé à 38 kilos. J'ai à nouveau une petite scie, donc j'ai bien fait de me séparer de l'autre. J'ai une pierre aiguisée. Il fait bientôt nuit. Bon, là, après, vous avez des objets de la sorte. Là, j'ai oublié de farfouiller
dans ce tiroir. J'ai du charbon, ça le charbon je vais prendre, encore une fois ça coûte quasiment rien, donc ça serait dommage de s'en priver. Et puis, oh regardez, comme quoi, veste de ski, ça on verra plus tard. Le nécessaire à couture, on va le laisser. J'ai des fûts de flèches. En tout cas, le temps semble s'être calmé. Alors que là-bas, vous voyez ce que je vois, un petit loup. Alors du coup, on va finir la journée et un petit peu notre fatigue, parce que c'est vrai qu'on s'était quand même bien reposé. On va finir notre journée en faisant un peu plus de nettoyage de notre fusil. Ça, c'est très important. Donc on va faire ça pendant je pense, une heure. Là, on est encore en mode je profite de la chaleur. L'énergie, elle est encore là. Il faudra pas sortir trop tôt pour le prochain épisode parce que sinon il nous arrivera des bricoles. Et Dieu sait que ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout du temps perdu, parce que là, un bon fusil, encore une fois, ça vous permettra de recharger plus vite, de tirer bien mieux. Donc ça, c'est très très important d'entretenir ce fusil. Maintenant, je vais pas non plus le remettre à neuf, ça c'est clair et net. Mais c'est important. Peut-être que je changerai d'ailleurs de nettoyant fusil pour prendre celui qui est derrière. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? J'avais en tête un autre truc à faire, mais ça m'est sorti de la tête. Normalement, je pense qu'on a séché nos fringues. Ouais, notre fut, c'est pas encore ça. C'est pas encore tout à fait ça, le fut. Bon, et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié à nouveau cet épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis donc je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo où on essaiera d'aller un tout petit peu chasser. Et puis après on partira en direction de notre objectif, à savoir le pistolet de détresse. Merci à vous tous les amis et à très vite pour de prochaines aventures. Allez, à ciao, bye.